Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Kidrolen et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi en tout cas, ça va plutôt nickel. Comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo et la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo IRLC où je deviens conducteur de bus, qui est tout simplement la toute nouvelle mise à jour d'IRLC. J'espère les amis que ça va vous plaire. J'ai économisé pendant un petit bout de temps. Bon là j'ai plus d'argent parce que j'ai déjà acheté le bus hein, pour la vidéo, mais sinon... Les amis, on va du coup tout de suite pouvoir le faire. Avant, pour ceux qui connaissent ou qui ont vu mes anciennes vidéos, c'était taxi, un limo service. Maintenant, c'est valet transit. Regardez, hop, si je vais dans le menu. Non, c'est pas player, c'est ici. Regardez, c'est valet transit worker. Hop, on va set waypoint. Et on va y aller tout de suite. Les amis, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de la grande mise à jour de l'été pour voir la grande nouvelle map, je vous conseille d'aller la voir. Et puis dans cette vidéo, vous allez voir, on va faire quelques petits tours avec le bus. On va tout de suite aller le chercher pour commencer. Du coup, on va prendre ma nouvelle voiture qui est cassée. Bah, du coup, on va aller la réparer avant d'aller chercher le bus. Hop, on va juste retirer le waypoint. Voilà. On va aller réparer la voiture. Bon, le feu rouge chute, t'as rien vu. Hop, désolé les amis pour les petits bruits de chaise. Ma chaise grince, je suis désolée. J'ai le dossier de ma chaise qui grince énormément. C'est horrible. Mais je suis désolée si vous l'entendez dans cette vidéo. Alors là les amis, encore comme dans beaucoup de vidéos de conduite, je conduis avec un volant. De la marque Ori, c'est mon tout premier volant, il est très sympa. Voilà, je trouve très cool. Du coup, je conduis au volant, je vous le dis, comme ça, vous savez. Et voilà, eux, je sais pas ce qu'ils font là. Pourquoi ils bloquent la route? Bon, on n'a pas forcément besoin de remettre de l'essence, du coup, on va pas aller remettre de l'essence maintenant. Voilà, du coup, regardez, ça c'est ma toute nouvelle voiture, elle est très sympa, j'adore le design. Vraiment, le design, il est incroyable. Bip bip. Pourquoi vous vous mettez, mais please, arrêtez, partez, les gens, non. Pourquoi vous restez, mais arrêtez. Pourquoi vous restez devant ma voiture? Oh là là, punaise. Merci de vous être bougé, enfin. Hop, on va faire un petit demi-tour sur le parking des pompiers. Avec un blessé. D'accord, on n'a rien vu. Voilà, du coup, comme vous voyez, les amis, c'est une belle voiture. Vraiment, je l'adore. Elle a coûté 255 000 euros dans le jeu. Voilà, du coup, il a fallu économiser pendant un petit bout de temps. Hop, on passe. On met les petits clignotants. Parce qu'on est quelqu'un de civilisé. Et qui connaît le code de la route. Même si j'ai grillé un feu rouge tout à l'heure, vous avez rien vu, ok? Personne n'a rien vu, je n'ai pas grillé de feu rouge. Là non plus, j'ai pas du tout grillé de feu rouge. Allez, hop, on va tourner juste ici. Hop, on va se garer. Pouf, juste là. Bim, basta. Et regardez les amis, du coup maintenant c'est Valet Transit. Très très sympathique, hein. Pouf, avec ma petite flashlight. J'éclaire. Regardez, c'est très sympathique. Je vais vous faire visiter un peu les locaux. Si on peut dire ça comme ça. Ici, du coup, on a un petit accueil. Ici, le bureau, on va dire, du manager. Bim, je suis le patron. Allez, c'est parti. Ça, c'est fait. Je suis le patron. Allez, on va dire ça comme ça. Et ici, on a l'autre côté de l'accueil. Du coup, on a des nouvelles tenues aussi. Hop, star job. Bonjour. Bon, cette tenue est affreuse, je l'aime pas. Celle-là, ça va, je l'utilise quand je suis taxi ou conducteur de limousine ou conducteur de bus. Et celui-là, je le mets aussi quand je suis conducteur de bus. Mais on va plutôt mettre celui-ci aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu tous les véhicules, parce que j'ai tous les véhicules, regardez. Hop, je les ai tous. Alors, pour commencer, on a le taxi sédan. Qui a, il me semble, si je dis pas de bêtises, était un prix de 5000 euros dans le jeu. C'est 5000 ou 15000. Il me semble que c'est 5000. Voilà, c'est une Ford Crown Victoria. Si vous voyez ce que je veux dire. Il est sympa. Alors, ensuite, vous passez à la gamme au-dessus avec le taxi SUV qui me semble est à 38000.
Parce que je vais pas vous mentir que je sais plus trop, parce que c'était il y a longtemps que je les ai achetés. Hop. Qui est aussi très sympa. Que j'ai utilisé d'ailleurs avant de faire la vidéo. Voilà, il est sympathique. Je peux accélérer, arrêter et tout. Voilà, il est sympa. Il est plus gros. Ensuite, nous avons la limousine est à 88 500, si je dis pas de bêtises. Voilà, on peut la faire spawn. Elle est grande, hein. Elle est un peu comme la voiture que j'ai actuellement. Vous voyez, la voiture rouge que je vous ai montrée juste avant. Bah, elle est à peu près pareille. Enfin, j'aime beaucoup les phares avant. Je trouve très stylé. Par exemple, voilà, si je mets les clignotants. Mais voilà, elle est sympa. Elle accélère tranquillou. Bref, voilà. Ça, c'est tout pour la limousine. Mais aujourd'hui, les amis, c'est pas la limousine qui nous intéresse. C'est le shuttle bus. Le bus de la toute nouvelle mise à jour. Qui coûte 87 000 euros dans le jeu. Voilà, je le fais spawn. Il est très sympathique. Et vous pouvez voir à travers les vitres. Bon, elles sont extrêmement teintées. Du coup, je ne jouerai pas comme ça personnellement. J'ai essayé, mais voilà. Ici, nous avons les clignotants. À l'avant aussi, ils sont là. Pouf. Bref, vous avez compris. On peut ouvrir les portes. Voilà, c'est sympathique. Vous pouvez aller juste là. Vous avez des sièges, vous pouvez vous asseoir. Les vrais joueurs peuvent s'asseoir. Regardez, c'est très sympa. On peut être du coup un total de 9, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus le conducteur, ça nous en fait 10. On peut être 10 du coup dans ce véhicule. Désolé encore les amis pour ma chaise qui grince. En même temps, forcément que je peux pas activer les phares si je suis pas dans le conducteur. Voilà, hop, on ferme les portes. Et voilà, et comme vous l'aurez vu les amis, pour le début de la vidéo, au début, bah, j'étais un arrêt de bus. Et bah, il y a tout plein de petits arrêts de bus maintenant comme ça. J'aime beaucoup le bruit du moteur du bus. C'est très sympa. Vous voyez, il y a marqué Valet Transit. Il est sympa. Il est assez petit, mais je le trouve sympa. Hop, on peut tourner ici aussi. Il y a eu une autre mise à... Enfin, il y a eu en même temps d'autres mises à jour que je vous dirai juste après. Ici, on a regardé un autre arrêt de bus. Très sympathique. Bon, ils sont très simples, hein. Vous avez, je crois, trois sièges. Voilà, un, deux au milieu et trois sur le côté. Voilà, c'est simple. Et pour le reste, il y a eu une mise à jour aussi pour le travail. De postier, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire ça comme ça. Attendez, je vais vous montrer cela tout de suite. Hop, bon, il y a quelqu'un qui cambriole la banque, mais c'est pas grave. Hop, on va se garer juste là avec notre magnifique petit bus. Regardez, il y a cette petite boîte aux lettres qui ont été ajoutées où en fait, et bah, vous, il y a un nouveau camion. Qui est au prix de 65 000, si je ne dis pas de bêtises, que vous pouvez acheter. Et en gros, ça vous permet de récupérer des colis, des enveloppes dans les boîtes aux lettres. C'est sympa aussi. Et il y a encore un autre truc, c'est une nouvelle dépanneuse pour la dot. Bon, moi, comme je suis level max en dot, et ben j'ai pu la voir directement. Je vous la montrerai juste après. C'est très très sympa. Hop. Ah bon, on va éviter de griller le feu rouge s'il y a quelqu'un juste derrière moi. Arrête de klaxonner! Moi aussi je peux klaxonner. Punaise, les gens sont impatients. Et en plus, il me fait des appels de phare. Hop. On va tourner juste là. Et aussi, les amis, au niveau de la dot, il y a une toute nouvelle station de la dot. Elle a totalement changé. Hop, allez, on va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Voilà, on y est presque. De toute façon, vous n'allez pas du tout la reconnaître pour ceux qui jouent à ce jeu. Regardez. Voilà, elle a totalement changé. Elle est très très sympa maintenant. Elle est beaucoup plus grande. Liberty Country, département of Transportation.
Voilà, je vous fais vite fait le tour dans mon magnifique petit bus qui est très très sympa, vraiment. Le petit bus, je le trouve très cool. Vous pouvez transporter des vrais joueurs. Bon, après, le truc qui serait bien, ce serait qu'ils ajoutent des IA qui peuvent monter dans le bus. Ce serait sympa. Hop, bon, bah, on se gare à l'arrache, mais c'est pas grave. Regardez, hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Pouf. Voilà, ici vous avez l'entrée qui est très sympa. Ensuite, on rentre, du coup, on a l'autre côté de l'entrée, le dispatch, juste là. Là, c'est notre porte pour sortir. Bon, bonjour les gens. Une autre porte pour sortir. Ici, vous avez deux bureaux. Et là, vous allez directement dans les garages, qui sont très sympas, eux aussi. Vraiment, c'était une très bonne mise à jour. Et bah, je vais tout de suite garer un peu mieux mon bus, même si ça ne fait rien parce que bah, on va tout de suite changer de team pour aller dans la dot. Bon, il y a déjà 6 personnes. 612 y est pris, on va mettre 911. Et voilà, du coup, on est directement dans les services de la dot. On va mettre vite fait une petite tenue. Voilà, hop. Je prends pas totalement les affaires. Je vais juste vous montrer les nouveaux trucs. Alors, on a ceci. Le générateur. Qui est très très sympa. Ou en gros, bah, c'est pour les scènes RP quand vous mettez par exemple des lampes et tout. Voilà, ça vous fait un petit bruit. Ça fait un petit bruit, c'est sympa. On aime bien. Je vous montre aussi. Le tout nouveau, du coup, c'est le Falcon Advanced Tow Truck. C'est pour cela, il faut être senior technicien. Technicien. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais en gros, c'est le rang max. Voilà, regardez, je suis rang max. C'est le tout dernier rang. Voilà, du coup, il faut être tout dernier rang pour pouvoir l'avoir. Hop, on va le faire spawn dès maintenant. Comparé aux dépanneuses avec un plateau, bah là du coup c'est une dépanneuse avec un bras, si on peut appeler ça comme ça, qui vous permet du coup de dépanner bah, les voitures. Elle est sympa, vous avez une petite rampe au-dessus de gyrophare. Voilà, il faut avoir 4750 d'XP pour avoir le rang senior technicien. Est-ce que on a un appel? Non. On va essayer de prendre une voiture d'un civil. Voilà. Parce que j'aime bien voler des voitures. Bonjour les petits bugs, s'il vous plaît, stop. Je suis désolé les amis, il y a des petits bugs parce que bah, mon PC ne kiffe pas trop quand j'enregistre et que je joue en même temps avec les graphiques à fond. On va tout de suite aller chercher la voiture bleue qui est là-bas. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait elle est là depuis tout à l'heure surtout. Si vous suivez depuis le début de la vidéo, elle était déjà là tout à l'heure. Hop, non, là si j'avance et que je recule en même temps, bah ça marche pas. Maintenant il faut, après il faut que le propriétaire accepte que je la dépanne. Please, avance. Que t'es gentil mais t'es pas très gentil hein. Oui. Pourquoi Dot to discard? Bah oui, je sais, c'est ce que je suis en train de faire, Einstein. Voilà, c'est bon. Après, faut que le propriétaire accepte que je prenne sa voiture. Ok, c'est nickel, il a accepté, regardez, et je peux la lever directement et la transporter. Hop. Voilà. Et c'est parfait, regardez, voilà, je suis actuellement en train de dépanner cette voiture. Sauf que du coup, comparé à avant, vous n'avez pas à descendre le plateau de la dépanneuse. Vous prenez juste la voiture comme cela. Et c'est beaucoup plus rapide. Bon, là, on n'a pas demandé de... Enfin, le dispatch n'a pas demandé de dépanner cette voiture. Du coup, je ne peux pas la mettre en fourrière. Mais on va faire comme si je pouvais. Du coup, on va tout de suite la porter à la station de la dot. Allez, c'est parti, on y est presque. Ça, c'est le début de l'autoroute. Pouf.
Et quand vous devez dépanner une voiture directement, vous allez aller à la mettre dans le carré jaune qui apparaîtra juste là. D'accord. Non, mais l'autre, il allait presque me rentrer dedans. Bref, on va. Mais stop! Calme! Pourquoi je me fais rentrer dedans par tout le monde? Mais. Please! Stop! Je peux pas reculer en plus. Quelle arnaque! Hey! Ah, c'est bon, il s'est décalé. Stop! Arrête! Je vais te manger sinon. Voilà, du coup, bah, normalement on la dépose ici, mais même quand je dois pas la mettre en fourrière, je la dépose ici aussi. Hop, on la met bien. Pouf! Et on la détache. On remonte le bras. En tout cas, le truc qui permet dépanner. Pouf! Et voilà! Et là, votre camion est réopérationnel pour dépanner. Ensuite, on va aller aussi en pompier. Ah oui, c'est vrai. Hop. Parfait. On va aller tout de suite en pompier. Je vais vous montrer aussi les nouveaux trucs en pompier. Ouh là 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 là, ça bug. Hop. Il y a eu du coup l'ancienne mise à jour qui a ajouté le hazmat. Voilà, le pass hazmat que j'ai acheté qui coûte, il me semble, 400 Robux. Si je ne dis pas bêtise, non, en fait, c'est pas du tout ça, je sais plus du tout. Je suis désolée, j'ai oublié, hop. Voilà, je peux le faire spawn, il va apparaître juste là. Voilà, parfait. Il est très sympa. Et en gros, c'est un camion de base, c'est juste que ça vous rajoute des interventions en plus que vous n'avez pas si vous achetez pas le pass. Mais bon, je vais pas vous mentir que j'ai acheté le pass, j'ai joué pendant longtemps, j'ai toujours pas eu des interventions spéciales. Du coup, voilà, enfin, c'est assez énervant. Je sais pas du coup trop comment faire. Alors, ensuite, on a le générateur, comme avec la dot. Et on a ceci. Hop. Vous voyez, si votre véhicule. Je sais pas trop comment dire. Si votre véhicule est en train de tomber, ou alors un mur qui se casse. Vous voyez, hop. Pouf, voilà, ça soutient le mur. Le mur, il tombera pas. Voyez, hop, c'est sympa ça. Je trouve ça très cool et c'est sympa pour le RP. Vous avez aussi du coup des tenues qui vont avec le hazmat. Voilà, il y a tout plein de trucs quoi qui sont très sympathiques. Et bah les amis, je pense qu'on a fait le tour. Bah je pense, oui, je crois que c'est bon. On a fait le tour, on va retourner chercher le petit bus. Pouf, on reprend notre magnifique voiture. Si je dis pas de bêtises, j'ai oublié, c'était quoi la marque? La marque d'avant. S'il y en a qui reconnaissent la marque, n'hésitez pas. Bon, eux, ils l'ont traduit en Leland. Enfin, en fait, c'est pour changer les noms parce qu'ils ne laissent pas les noms de base, parce que ils ont fait un partenariat avec Greenville, avec le créateur de Greenville, qui fait que du coup, bah ça, ils ont changé les noms. Bon, personnellement, je préférais les noms d'avant, mais ils ont voulu changer. Bah après, c'est leur choix. Mais je trouvais ça mieux avant. Hop, on récupère le petit bus Valet Transit. On va aller se positionner à un arrêt. Pouf. Youhou! Voilà, il y a un arrêt juste ici. Hop, et on va s'arrêter. Pouf, parfait. On s'aligne avec l'arrêt. Hop, et on ouvre les portes. Voilà, du coup, on va s'arrêter là, les amis, pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros like, les amis. Ça me fait toujours très plaisir. J'espère que les vidéos vous plaisent et voilà. Pour ceux qui regardent la vidéo, bah, je vous souhaite une bonne rentrée. Si vous regardez la vidéo longtemps après que je sors la vidéo, bah, ça sert plus à rien. Mais là, pour ceux qui la regardent à sa sortie, je vous souhaite une bonne rentrée. Et je vous dis à la prochaine les amis. C'était Hydrolène, abonnez-vous, lâchez un like, n'oubliez pas d'écrire votre petit commentaire.
Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao les amis.